Ah oui, ok, c'était bon. Ah, on revient sur les singles. Ouais. Soyez content. C'est... Par contre, il lance, je... Attention. Bon, c'est Reiko, Niseko, ouais, c'est un classique, on va dire, Niseko. Ah ouais, c'est carrément un classique Niseko. C'est LE classique Niseko. On n'a pas plus classique et je vais enfin pouvoir commenter peut-être. Hop hop. Hop hop. C'est fait avec les mains, mais au moins c'est fait. Allez, on est reparti. Allez, le simple. On est en loser en semi-finale sur le classico, j'ai envie de dire. C'est un peu le Real Barça du. De Nice, c'est Zizneko, Reiko, un match-up qui est vraiment défavorable pour Reiko, mais il a l'habitude, et surtout comme je vous disais, ça fait plusieurs fois que je le dis, Reiko a des gimmicks, il joue qu'avec des gimmicks, il joue pas le Pikachu comme il faut le jouer normalement, il va toujours trouver la petite faille pour te gimmick. Ouais. Et ça c'est assez fatal surtout sur... Après c'est dur contre un Game Watch. En fait, ah non bien sûr que c'est dur, ça. C'est pour ça que c'est un match de merde. Ouais, c'est que... Le truc qui est bien avec Game Watch, c'est que Disneyko le fait à chaque fois. Genre à chaque fois qu'il rate un S-Mat ou quoi, il le punish avec une dash attack à chaque fois. Mmh. Et ça marche tout le temps. C'est un peu chiant pour ceux qui veulent. Ah! Allez, la smash! Par contre, ouais, là par contre, ça peut éjecter vite. Hein. Ah, là, c'est important pour. Important pour Reiko d'éjecter et surtout pour Neko. Allez, tout qui trouve pas. C'est une bonne DI du côté de Reiko. Ah, ça, on l'a sera complètement loupé. F-Smash tout. Ah, c'est un petit désavantage pour Neko. Ouais, mais il remonte, il va remonter. Ouais, ça c'est le parachute. Ça fait des pourcents là. Vous voyez, direct 17% là. Ça revient en 2 secondes. Ah ouais, 37 là. Déjà, c'est. Hello, Pitou. Que des games manageuses dans ce PS. Ouh, il y a un petit job up là, non? Je crois, hein. Je sais pas regarder, je regardais le stream. On a un Game & Watch à Nice. Ça va pas. Ouais, mais c'est. C'est juste que maintenant c'est vrai qu'il y en a un peu partout, il y en a en Corse, ouais. Il y en a à Caen. Ils deviennent addicts en fait, ils voient leur smash après ils jouent. Il y a à Paris, donc à Caen avec Osticas, en Corse avec 9Volt, à Paris avec Green Dash. Ah ouais, en fait, il y en a deux. Attaque 2 frames facilement. Mais c'est pas. À chaque fois c'est des joueurs qui font mal. Hein, ah, Upper. Ouais, il y a un dodge, il a bien un dodge. Là, ça peut jouer un up smash, un grab. Là, c'est. Oh, dommage pour Reiko. Là, clairement. Un grab ou un up smash 2. En fait, ça peut jouer à up smash des deux personnes. Ah, ouais, voilà. Mais il va. Je pense pas que Reiko va se compliquer la tâche à faire des up smash. Je sais pas, personne. Je pense pas. Je pense qu'il va plutôt jouer le match-up. Oh là là, ça dash attack. Voilà, c'est sûr. Ah, ça marchait. Ça a deux frais. Tu peux pas le faire s'il te plaît, Robin? Parce que bon, je suis en train de commenter. Fais-le s'il te plaît. Et on est à. C'est quoi? Qui est-ce qui vient de gagner? C'est Disneyko qui a gagné. Il a tout frame. Ah, il a tout frame. Pas facile, hein, ce match. Parce que là, vraiment, ça peut... c'est très mal de voir dessiner en Reiko parce que là, j'ai l'impression qu'on dit que Reiko peut un peu s'habituer là. Et il va peut-être prendre tout. Alors, t'es quoi Tu l'as fait sur Twitter avec le compte de la SAC? Bah, tu as le mot de passe des SAC. Bah, non, mais il a robot le. Ouais, ça. Il a tout ça. Allez, up cheat ou up star un peu, je crois. Ça gratte. Ouais, voilà. C'est vrai qu'à chaque fois, c'est genre, il a du mal à l'Inde, Pikachu, un peu. Ah oui, non, mais carrément, c'est le but de Game Watch. De toute façon, c'est de punir la langue. Ouais.
Bonne finish. Tu vois, c'est pas grave de côté pour l'instant. C'est pas dans la zone où on va chercher le kill. Peut-être là maintenant pour Game & Watch. Et pour Pikachu, c'est pas encore maintenant. Ouais. Il cherche le moment pour Game. Tu joues avec Simon ou ouais. Ouais. Ok. Il a joué à Smash, j'ai pas regardé. Oh, la petite saucisse. Allez, le code. Ouais, c'est un peu le petit kill confirme de Reiko. Si on connaît, on se le prend pas, on a juste dit IOE. Ah, Neko qui joue plutôt bien le match-up, après c'est pas facile pour Aiko. Backer, il profite pas, il a du miss input. La patate qui passe pas. Ah, joli ça, revenir en dehors du stage pour faire un backer parce qu'on a plus de place. Et le tout qui va tuer. Allez, courage! Comme pas tout seul! Je prends ma force! Il y a un mec qui a perdu. Là, il va chercher la gimmick, il ne trouve pas. Il va perdre sa stock. Non, il va pas perdre sa stock. Il a plutôt bien Reiko. Connais son perso. Je tiens à dire aussi à Reiko qui joue Pikachu depuis le début. Donc il connaît bien son perso. Il a tenté, Neko a tenté le tout, ça se voyait. Alors qu'il walk up slowly d'un côté, walk up slowly de l'autre. Il va attendre ton erreur, tu punis, tout. Tout simplement. Ouais, ça joue un peu en free play. Ils ont l'habitude de toute façon de jouer ensemble. Allez, bien trop, nerf. Oh, il a essayé le marteau. Mais c'est le beau jeu, hein. C'est le beau jeu. La chaise, jamais oublier la chaise sur le match-up Game & Watch. La chaise, ça tue toujours à 110, 120, c'est très rapide et souvent si j'y attends pas, c'est une portée qui est plutôt pas mal. Attention de ne pas se faire... Allez, il off stage, Pikachu off stage. Oui, reviens, ça va faire un tout. Non, qui va pas tuer, peut-être un peu trop de rage. Il essaye l'up smash et c'est vrai que c'est pas faux, hein, tenter l'up smash sur une quick attack. Avec l'hitbox bizarre, voilà, un petit down smash au pifé. 3-0.